à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité. Psaume 118, strophe 19. Seigneur exalté dans les cieux, alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, alléluia. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi.
J'espère en ta parole. Mes yeux devant s'éveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils s'approchent des infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Approche-toi, Seigneur, vérité que tous tes ordres. Dès longtemps, j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 74. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi, nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en hérissant les chines. Ce n'est plus au levant ni au couchant. Au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu. Une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, il s'enlèche la nuit. Il boit tous ses habits de la terre. Et moi, je n'en serai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai. Mais le fond des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Dieu fait sortir son peuple. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, est grand est son nom. Satan s'est fixé en sa mère. Et sa demeure en Sidon. Là, il a brisé les traits de l'art. Le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, lumineux. Des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob.
char et le cheval se sont figés. Toi, toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a pâli et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre, la colère de l'homme te rend gloire. Tu te sauras de l'échapper de la colère. Faites de vœux acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes aux terribles. Il est un le souffle des princes. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut juste aux extrémités de la terre. Rends ton gloire. À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Marie-Anne Vanier, les dons du Saint-Esprit, l'intelligence. Le don d'intelligence est synonyme de plénitude de la foi. Il nous donne de comprendre les Écritures et nous introduit au mystère de Dieu. Le texte de la Transfiguration en est l'illustration. Sur le Tabor, Jésus se manifeste à ses disciples tel qu'il est, c'est-à-dire Fils de Dieu, éternel, comme l'explique son dialogue avec Moïse et Élie, qui représente la loi et les prophètes, qui sont morts mais qui vivent en Dieu. Les apôtres sont aveuglés, terrassés par cette vision. Il en va de même pour ceux qui reçoivent le don d'intelligence, comme Paul sur le chemin de Damas ou ceux qui connaissent une conversion radicale. Il leur faut du temps pour réaliser et accorder leur vie à cette expérience qui leur a été donnée. Une autre expression de la grâce fulgurante du don d'intelligence nous est rapportée dans un texte très populaire en Russie, l'entretien de saint Séraphin de Sarov avec Motovilov. Séraphin de Sarov dit à son ami, « Nous sommes tous les deux, toi et moi, en la plénitude de l'Esprit-Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas ?» Motovilov répond, « Je ne peux pas, Père, te regarder. Des foudres jaillissent de tes yeux. Ton visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux. » Séraphin lui répond, « N'aie pas peur, ami de Dieu.
tu es devenu aussi lumineux que moi. Toi aussi, tu es à présent dans la plénitude du Saint-Esprit. Autrement, tu n'aurais pas pu me voir. Remercie le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce indicible. Sans doute s'agit-il là d'une expérience unique, proche d'ailleurs des théophanies de l'Ancien Testament. Mais ce texte manifeste à quel point le don de l'intelligence est synonyme d'introduction à la vie même de l'esprit. Si Motovilov reconnaît Séraphin, c'est parce que lui-même vit dans la lumière de l'esprit. Sans atteindre de tels sommets, le don d'intelligence peut être synonyme de vie, de foi et d'amour. Il trouve son expression dans la prière, en particulier dans l'oraison. À ce don correspond la sixième béatitude. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le don d'intelligence purifie en effet le regard et le cœur. Il atteint jusqu'aux profondeurs de notre être et nous apporte une connaissance authentique de Dieu et des autres. Le fruit de l'esprit associé à ce don n'est autre que la foi qui augmente de jour en jour. Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Christ est vivant, il ne revient jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. » J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même,
j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage du livre des Actes des Apôtres, tel que la liturgie l'a découpé, est tout entier centré sur l'affirmation du gouverneur Festus au sujet d'un certain Jésus qui est mort et que Paul déclare toujours vivant. Admirable résumé de la foi chrétienne sortie de la bouche d'un païen. Il rappelle cet honnête Festus, son lointain subordonné, le centurion qui, quelques années plus tôt, au pied de la croix, s'était exclamé « Vraiment, cet homme est fils de Dieu ». Alors que le temps pascal s'achève, nous pouvons tout d'abord recevoir cette parole d'un homme éloigné de la foi, pas tout à fait conscient du poids de ce qu'il énonce. Nous pouvons réentendre cette affirmation comme si elle était neuve, comme si l'habitude, la distraction n'avaient pas émoussé l'inouï, l'inconcevable, l'incroyable de cette nouvelle. Jésus est mort et il est toujours en vie. Car les conséquences s'enchaînent alors logiquement. S'il est mort et toujours vivant, moi qui vais mourir, et c'est ma seule certitude, moi aussi, je vivrai toujours par ce lien d'amour vital qui m'unit au Christ, qui me constitue en membre du corps du Christ. Mais il y a bien plus dans ce passage, un peu tronqué par le découpage liturgique. Car face à cet impossible devenu réalité, toute la palette des réactions humaines se joue. Il y a la lâcheté du précédent gouverneur, le si mal nommé Félix, qui, pressentant une affaire compliquée, peut-être dommageable à sa carrière, a préféré la laisser à son successeur. Il y a l'honnêteté légaliste de Festus, sa science juridique qui ne lui permet pas de condamner un innocent, mais qui le cantonne aussi à un certain niveau d'objectivité, l'empêchant de saisir les véritables enjeux. Festus qui ne perçoit que folie, là où sa logique est mise en défaut. Et puis il y a le roi Agrippa, le digne petit-neveu d'Hérode qui s'était réjoui parce que depuis longtemps, il voulait voir Jésus. Agrippa, qui est mu par la curiosité, un vague attrait spirituel, mais qui se ferme vite lorsque ce qu'il entend risque de l'atteindre, de le conduire, qui sait, à changer de vie. Trois attitudes, trois façons de montrer que la conversion est un risque, trois postures humaines, auxquels nous confrontent encore nos tentatives missionnaires. Et face à eux, Paul. Paul qui ne s'enferme plus dans des logiques humaines, mais qui, sachant se faire juif avec les juifs, sans loi avec les sans-lois, pour tâcher de les gagner tous, tente de s'adapter à ce que chacun peut entendre et n'hésite pas à se poser en témoin par le récit de sa propre conversion. Un parfait travail d'évangélisateur, en somme. Mais loin de se réduire à des tactiques qui demeureraient encore de l'ordre d'un savoir-faire humain, la défense de Paul a d'autres ressorts. S'il refuse d'être mené à Jérusalem, c'est qu'il sait qu'un complot risque de le faire périr en route. Mais s'il s'appuie sur sa citoyenneté romaine pour que son cas soit déféré à la juridiction impériale,
c'est surtout pour pouvoir, par ce biais, aller jusqu'à Rome, afin d'accomplir le plan divin qui est à l'œuvre derrière toutes ces contradictions humaines et que Luc a dévoilé dès le début de ses actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Rome, c'est le cœur de l'Empire, le lieu central d'où l'évangélisation pourra partir, irriguer le monde. Et cela est si primordial qu'à l'arrivée de Paul à Rome, le narrateur ne se soucie plus d'accusations ni de procès, ne nous dit finalement rien du sort final de Paul, mais le décrit alors qu'il est prisonnier, enseignant ce qui concerne le Christ Jésus avec pleine assurance et sans obstacle. L'assurance, la parésia, conférée aux apôtres par le don de l'Esprit. Dans quelques heures, ce don de l'Esprit, pour nous encore, va être renouvelé. Qu'il nous embrase au point de faire fondre nos logiques humaines trop légalistes, de vivifier notre désir de Dieu trop assoupi ou trop distrait. Qu'il vienne nous réapprendre à dire d'un cœur neuf, à nous redire, comme si c'était au premier jour, Jésus est vivant, et que cette vie soit notre joie et notre avenir. Esprit du Seigneur, Esprit du Christ, doux et humble de cœur, viens habiter en nous et éclaire nos routes. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit du Seigneur, Esprit du Christ, ami des pauvres, viens habiter en nous et inspire nos choix. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit du Seigneur,
Esprit du Christ accueillant aux pécheurs, viens habiter en nous et convertis nos vies. Viens. Pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Seigneur, accorde-nous le don d'intelligence qui nous fera comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure. Mets en nous l'amour et l'intelligence des vérités enseignées par l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.